Je vais peut-être pas changer de catégorie, hein. Je vais écrire mercredi FPS. Tac. Mercredi FPS, on passe 5 heures à faire du Poké Rogue. Oh l'arnaque. Prez est passé gold et moi je suis à 93 sur 100. The Dream. Salut relax. Alors, Abyss, waouh, c'est une nouvelle map visiblement. Maintenant disponible en mode non classé. Les secrets de la radiante, plongée dans l'abîme. Contempler l'abîme. Au plus profond d'un gouffre infini et impénétrable, une base secrète renferme d'innombrables secrets. Attention, vous mettiez les pieds. Gardez votre sang-froid. Abyss est la première map de la radiante sans limite. Provoquez des chutes mortelles à l'aide de vos utilitaires, mais garde à ne pas tomber dans vos propres pièges. Oh! Oh. Repensez vos façons d'utiliser vos utilitaires de combattre. Ah mais c'est vrai, tu peux pas tomber dans le vide sur Valorant? Trop drôle. Ah oui, sur aucune map tu peux tomber dans le vide. Du coup c'est la première. No way. Trop rigolo. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors on va sur Valorant du coup juste pour voir. On va peut-être jouer, hein. On va peut-être faire une petite game quand même. Mais je voulais voir surtout le marché nocturne. Oh, j'ai un orange. Let's go, let's go, let's go. Lucio, be like, je te jure. Ah, ça finit dans 11h, quoi? Mais je suis tellement en retard. Oh, heureusement que j'y vais aujourd'hui, dis donc. Il n'y a que un lège. Ouais, ça dégoûte un peu. Et j'ai appris, grâce aux gens de Short et de TikTok, que les cartes oranges... Ça peut que être des couteaux. Parce que, en fait, j'avais posté une vidéo où j'étais en mode, waouh, j'ai des oranges là. J'espère que c'est des couteaux ou alors une vandale. Et les gens, ils ont pété un plomb en commentaire. C'était en mode, vas-y. Vas-y. Il peut que y avoir des couteaux. Donc merci. Merci pour l'info. Je l'ai, c'est bon maintenant. C'est bon, je sais. Alors, je crois que le vert, c'est nul. Allons-y. Évidemment, évidemment, je tombe jamais sur des vandales, mais le jour où je tombe dessus, c'est ça qui sort, quoi. Ça me fait penser à Fortnite, je sais pas pourquoi. Psychologiquement, il y a un truc un peu cartoon. Tu vois? Je sais pas. Ah ouais. Vous aimez? Le chat, vous aimez? En fait, on dirait les skins un peu en mode CSGO. Mais c'est un peu crade. Après, c'est pas cher. Ça, c'est vrai que l'argument du pas cher, il est réel. 800, ça va. Je cherche le carton en question. Non, mais tu sais, c'est genre à mi-chemin entre le truc un peu stylé CSGO et moche, quoi. On dirait Raw Dog, mais je suis d'accord. Je suis un peu d'accord. Ouais. Je suis pas convaincue, là. Ouais, allez. Ok, donc deuxième verre. C'est pas possible. Mais c'est la même chose. Hein. Mais c'est pas possible. Mais c'est la même chose. Ils ont même pris. Ah, c'est moche. Oh, vas-y. Allez, c'est bon là. Après, c'est bleu, j'imagine. Allez, bleu. Stinger. Stinger. Ça va, elle est cool. Mais toujours pas au point de l'acheter, quoi. Moi, j'ai jamais vu un skin qui m'a fait me dire, waouh, là, j'ai envie de l'acheter. Un style Disigual, oui. C'est un peu ça. L'ancien Disigual, parce que Disigual, aujourd'hui, c'est plutôt stylé. Ouais, ça fait prof, ouais. Xel! Salut! Comment tu vas? Merci beaucoup pour le 20e mois d'abonnement. Je viens de parler de HelloFresh d'ailleurs. Voilà. Il y a même pas 10 minutes. Faudrait que je t'envoie le temps fort. Salut Dorum Légende, merci pour le Prime.
Salut. Merci beaucoup pour le prime, c'est très gentil. Non, ok, bah une petite stinger, quoi. C'est genre l'arme que j'avais pas demandé, mais que j'ai quand même, quoi. Bon, ok, c'est pas grave. Premier rose, première carte rose. On y va, une vandale, s'il te plaît. Primordial, je l'ai sur la vandale. Mais le problème, c'est que je joue jamais gardienne, quoi. Et que, honnêtement, j'aime pas beaucoup le... le rendu que ça a sur cette arme. Mais... ouais, non, j'aime pas. Bof. Bof, bof, bof. Guardian de mon arme préférée. Aïe, aïe, aïe. À la limite, en bleu, comme ça, je la trouve très stylée. Regarde l'animation. C'est la même chose. Ah, pardon, pardon. Oh, je suis trop débile, je suis trop débile. Pourquoi on voit pas les couleurs ? Dommage. Oui, ok, ouais, bah c'est la même que l'autre, d'accord. Je suis pas persuadée que Guardian, je la joue jamais en vrai. Spoiler, je ne joue jamais à Valorant. Ça n'arrive jamais, de toute façon, mais je joue pas souvent Guardian. Attention. Quoi ? Bah, alors là, par contre ? Alors là ? Oui, c'est toujours pareil. C'est la même chose. Non mais c'est dingue d'avoir deux fois le même style quoi. Je vais peut-être la prendre elle. Hein. Parce que Spectre pour le coup je joue plus souvent. Sponsor primordial je te jure. Je te jure. Ouais. Je peux peut-être la prendre. Allez. Allez mais Guardian je trouve que ça rend pas très bien malheureusement. C'est un peu laid. Sur le Guardian je suis pas convaincue. Attention là il est l'heure parce que moi depuis le début... depuis le début que je joue à Valorant, je n'ai jamais eu un couteau digne de ce nom. J'ai un couteau Basic Beach, donc j'aimerais bien avoir quelque chose de sympa, si c'est possible. Valorant, donnez-moi un couteau cool. Allez, c'est parti. Stylé quand même. Hein. Ça va, c'est stylé. C'est stylé. Il est super simple par contre, c'est un peu dommage. Il est simple, mais efficace. Oh, 2300. Mais pardon, hein, mais moi je viens d'Overwatch. Hein. Ça me choquera toujours. Attends, 2300. Putain, faut faire des calculs mentaux là. Alors attends, 2300, donc j'ai 600. D'ac. Donc il me faudra 2000, 20 balles. €25 le couteau. 5€ le couteau. Et ça vanne les prix des skins sur Overwatch, hein ? 25€ le couteau, hein ? C'est quoi Luciole ? Pourquoi tu dis ça en boucle, couteau Luciole, couteau Luciole ? Ouais, mais dépenser sur un jeu sur lequel on ne joue quasi pas, mais est-ce que j'aurais envie de plus jouer si j'ai un couteau papillon, peut-être ? Tu vois ? C'est ça le truc. Regarde la boutique. Ah ! Oh, il est cool lui ! Il est bien. Oh, il est cool. Meilleure collection, hein, ouais, c'est clair. Oh,
Il est trop cool, lui. En plus, le ghost, tu le joues souvent de ouf. Il est trop cool. Vandale sensation. La vandale sensation. La vandale sensation. 30 euros. Après, vous savez, 50 euros, c'est quoi dans une vie, hein? Regarde dans collection et scroll jusqu'à couteau luciole. C'est où le collection? Ah! Favori MDR. Couteau luciole. Non mais, tu vois, il y a ce genre de couteau là, et moi j'ai le vieux couteau papillon, quoi. Il est où? Vous me dites stop, au pire. Je vais le voir. Ah, mes yeux! Oh, je l'ai passé là, non? Je l'ai passé. En arrière. Le vert. Qui était? Mais où ça? Mais lequel? RGX. Ah, Luciole, putain, il est marqué là. Ouais. Il change de couleur. Il change de couleur. C'est RGB, putain. L'argument convaincant, putain, l'argument convaincant. Il est cool, il est cool, il est cool. Mais le flow de base est nul. J'ose le dire. À côté, t'as un mec qui se balade avec ça. Et t'es censé être stylé? Non. Non, 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 non. Non, non, non. Vous avez vu ma collection ou pas? Pas trop jaloux, les rageux? Ou pas? Je sais qu'on peut avoir le seum. Mais contre ma collection, vous êtes obligés de l'avouer. Vous avez vu mon skin, mon skin de couteau, comme il est lourd en vrai de vrai. Non, mais c'est pour ça le couteau papillon, il est noir, il est pareil, il s'ouvre en deux, ça va. Ça va aller. Je suis dans mon T'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi. Perso, moi, c'est mieux. C'est pas possible. Bref. La ghost est bien, non? En vrai, la ghost est cool, mais je l'ai pas eu dans mon marché de nuit, par contre. Non. Ouais. Oh, le marché de nuit, il est nul à Yesh, en vrai. Hein. Nul à Yesh. Après, ça, c'est minimaliste. C'est-à-dire que c'est pour les... Tu sais, je pense que c'est pour les gens un peu bad... C'est pour les gens un peu dark Sasuke, genre. Je les vois bien avoir ça. Mais ouais. Un peu un chier, globalement. Bien joué à tous. Marché nocturne, dernière seconde pour avoir ça, je suis un peu dingue. Alors, est-ce que vous pensez que Kalem il joue au jeu, là? Kalem joue au jeu, pitié. On se fait une petite game. Une petite game. Mmh.
S'il te plaît, Kalemo Krakito. Kalemo Krakiti. À 10 points du gold. Et pas en ranked, en quick play, bien sûr. En quick play, bien sûr. Oui, bien sûr, on va pas jouer en ranked, t'imagines. T'es là sinon, ouais, c'est vrai que t'es là, attends. Tu peux tester la nouvelle map, mais on va faire ça. Waouh, le contenu est exceptionnel. On va tester la nouvelle map. OMG, mais je bosse. Ok, bah je comprends, t'inquiète. Alors, Abyss, ah oui. On y va? Petite game viewer, vous voulez venir? Y'a qui dans les gens là qui veulent venir? Azeroth, c'est ok parce que t'es bronze. Mais sinon, mais sinon complexe. Hein. Emerald, désolé, mais t'es hors 3. Diamant, ouais, c'est bon. Vous voulez venir? S'il y a des gens qui veulent venir, n'hésitez pas. Vous pouvez m'ajouter, bien sûr. 69-22. Alors, je pense qu'ici, il n'y a personne. Oh, Rainer. Ciao. Si je reconnais des pseudos, je peux accepter, mais... Mon domaine, il n'est pas là. Pingu, je sais pas qui c'est. JLK. Lank. Pas sûr. Lumux. Dorm légende. Lomex, t'es là? Peut-être. Toto, je sais pas qui c'est. Dorm, j'espère que t'es pas 1000 en termes de points. Ah t'inquiète là mec, souci. J'espère que t'es pas genre top 500, mec, ou meuf d'ailleurs. Niveau 169, mon cul si t'es fort toi, mon cul s'il est nul. Vas-y, je vais quand même lancer. Attention hein. Je suis naze, je suis seulement immo, casse les couilles. Salut Loki. Quel est ton code? 6922. Only noobs, hein. Only noobs. Allowed. On va lancer parce que sinon on va jamais game. Silver, c'est noob encore, bien sûr. À partir de gold, ça commence à être compliqué, je pense. Partie trouvée. Pardon, j'ai été happé par mon téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Oh, ça joue que des cons là, de cons. Hein. On va pouvoir jouer. On va pouvoir jouer ce truc là. Nah. Je vais pas faire ça moi. Je vais jouer Fade. Je peux jouer Fade. Avec grand plaisir. Sage, c'est incroyable. Ah, sur la map. Oh, on va jouer Sage sur Abyss et on va pouvoir faire des passages secrets avec le mur. The Dream. Ça va être trop bien. Mais il y a que des DPS en face là, c'est quoi cette histoire? C'est ça non, il y a que des X là. Il y a que des croix. On va pouvoir être un farfadet malicieux exactement dans le bac de nos adversaires, c'est The Dream. Par contre, j'ai plus d'habit de souris, tellement ça fait longtemps que j'ai pas joué des FPS MDR. Je l'ai balancé là-bas, la dernière fois. Et je ne l'ai pas repris. Where is... Oh tant pis, on va jouer sans tapis de souris. Je déconne.
Mais où es-tu ? Vous me l'avez volé ? Moi j'ai pas de tapis de souris, putain. The non-dream. Et du coup là... Oh merde. Du coup là tu peux tomber, c'est ça ? Azrod! Bye bye. Plus qu'un ennemi. Je dois filer. Elle est dingue cette map en vrai de vrai. Là, je sais pas trop d'où ils peuvent arriver. Le bâtard. Vite. Bah des vieux. Oh, il aurait dû défuse, il l'avait tellement. Oh, elle était au bout de la map. En vrai, je pense qu'ils pouvaient s'en douter, mais... Mais bref. Ah, ils ont changé l'interface aussi, dis donc. Je suis pas mal, non, en bas à droite, là, en fait. C'est une bonne position. J'ai plus de tapis de souris, je sais pas où il est. My bad, je sais pas où il est. Au moins, je me suis heal. Putain! Oh là, déjà que je galère de base sur les maps, mais alors s'il y a des trous sans fond. Ah, ça va être horrible. Oh putain. Oh, vous voyez, lui, il a le couteau papillon classique. Ah, c'est stylé quand même, hein. Espèce de flexeur de room. Espèce de flexeur. Oh! Imagine, mais attends, mais j'ai une question con, hein. Mais qu'est-ce qui se passe si tu tombes dans le vide avec le spike? Parce que ça va forcément arriver, ça, tu peux pas me faire croire qu'à mon level, les gens ils vont pas tomber dans le vide avec le spike. Il respawn. Ah, il resen, il respawn. Attends, on va tester, on va tester. Vas-y, vas-y, fini de rigoler, ouais. Vas-y, montrez-vous. Montrez-vous. Bande de gros chiens. Oh oh oh. Ah oh. What? Il est sur un pont là ou quoi? Oh, il est sur un pont la dinguerie. Oh waouh waouh waouh. Dans une manche. Allez, on va tester. J'ai pris le spike. J'ai pris le spike et on va tomber dans le vide, ok? Ok. Putain, il y a l'air d'avoir des trous partout. Oh, la map gruyère, mais j'ai jamais vu ça. Ok. Crash test, crash test. Tranquille, tranquille. Juste, je teste. Y a pas de galère. Je vois. Attends, vas-y, viens, viens, viens. Bon, vas-y, j'ai pas envie de les troll. Allez, viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Il veut quoi, lui? Vas-y, t'es prêt? Allez, ciao!
Et du coup, il a respawn. Putain, j'ai même pas vu. Ok, bah il a respawn. Ok, bah tant mieux, hein, parce que franchement... Objet. Oh, le troller. Ah, mais du coup... Ah, il peut reposer le spike avant de tomber dans le vide. Oh, non, mais c'est galère. Changement de côté. Maman. En début de round, visiblement, tu peux pas tomber. Il y a un mur invisible qu'on peut voir ici. Mais je crois qu'il s'enlève quand le round commence, quoi. MDR. C'est vrai que c'est un truc qui n'existait pas de base sur Valo. Ça, je m'étais jamais rendu compte de ça, mais effectivement... Avant, on ne pouvait pas tomber dans le vide. À part sur une map là, non? Qui s'appelle... Fracture, non? J'ai combien de thunes, hein? Wissang. Allez, donne-moi ça. Je vais les défoncer. Là, tu peux tomber aussi ici. Putain, mais... Je voulais me mettre sur le rebord et je tombe dans le vide comme par hasard. Non mais, c'est pas possible. Il va y avoir tellement de trolls sur cette map. Mais t'imagines, tu tombes, du coup tu... T'imagines les trollers? Le pain béni que c'est cette map là? Tu tombes dans le vide en boucle. Ah ouais. Ah ouais, les trollers. Reprenez des forces. Oh non, excusez-moi, J'ai pas fait exprès. Excusez-moi. Oh! Stylé. C'est bon, on y va. Allez, on se concentre. Allez, on y va. Allez, c'est parti. J'étais un jeu à mur. Et c'est les murs porteurs! Et là, il se passe quoi si je mets un mur ici, par exemple? Notamment. Et là, par exemple, il se passe quoi s'il se met un mur, genre là? Ah mais c'est con, comme peu possible. C'est le pire mur que j'ai jamais vu. Oh, le chien, je regarde la map. Non, parce que là, depuis tout à l'heure, je troll, mais en fait, on va remontada, d'accord? On est en 3-2, là, vous skate pas. Ok. Gecko, voilà, ça remonte. Heureusement que je suis là. Allez, on y va. Vas-y, je suis léger, là. Ok, je regarde la map. Stratégiquement. Oh, attendez, je peux faire un pont. Là. Oh, je vais faire un pont. Attends, tu hard carry, ouais. J'ai mes teammates là. Ils sont trop cons. C'était trop stylé. On se remet au boulot. Il est trop chaud le mec. Wow. Incroyable. L'esquive de zinzin, j'ai jamais vu ça. Incroyable. Non mais c'est ouf en vrai. Hein.
En vrai, ils peuvent pas devenir d'ici quand même, parce que là, il y a rien pour tenir. Ah, il y a le petit truc là. Attendez, je vais essayer d'y aller. La chasse commence. Ah ouais, d'accord. La chasse commence. Ok, fini de rigoler. Pauvre Reyna qui a mangé indien. La chiasse commence. Dernier joueur en vie. Ils sont. Vas-y. Mort subite. Ce sera cette fois. Let's go. Quelqu'un a entrevu une espèce de plan général. Vas-y, il m'a vu en deuxième et je le tue pas. Mais c'est parce que j'ai pas de tapis de souris. Trop chiant. Comment veux-tu que je fasse? Enfin. Trop relou. 148. Sur 148. Oh non. Moi, les petits burs là. Eh, celui-là au moins on peut le manger. Il est mûr. Ils sont décalés en même temps, les canards. Ils sont tous sur moi. Allez, vous les tuez. 2v3, la chim. Ouh, nice. Allez, Azrod le clutch. Azrod le clutcher. Oh mon dieu, Azrod. Oh. Je deviens fou. Non, no way, Azrod. La panique à bord. Dommage. T'as paniqué un peu, non, Azrid. Tu pourras changer de pseudo quand tu seras vieux. Tu pourras t'appeler Azrid. Ok, elle est cool la map, je veux bien rejouer. Azrid. C'est marrant un peu. Ah merde, j'ai appuyé sur X. Je suis matrixée par Pokérogue. J'ai appuyé sur X pour annuler. Oui, bien sûr, viens. Ça dépend, t'es combien? Ouais, ok. Pourquoi je peux pas? C'est quoi cette carte? Je comprends qu'il y a de la perspective, mais la nuance entre la taille et... De loin, c'est perturbant. Je suis bronzin. Ça tient bizarrement. Oh là, disons que l'angle ne... n'aide pas à voir son vrai physique. C'est trop bizarre la taille. Elle est peut-être un peu trop fine sa taille. Hein. Bon après elle est mimi. Hein. Ce son de fou. Ce SDF. C'est un jeu de mots. La musique là, c'est Brazil de Declan McKenna. Brazil. Le son de ouf. SDO.
Ça va vous? Vous avez prévu quoi de faire quoi cette fin de semaine? Tu préfères Overwatch à Valo? Disons que sur le long terme, je préfère jouer à... Je sais pas trop, c'est dur. Je sais pas. Les deux sont difficilement comparables. Valorant sur la longueur, ça me saoule. Ça me trigger. Mais Overwatch aussi maintenant, donc je sais pas. Non, je préfère Overwatch quand même. Mais bon. Rendez-vous médicaux, Pokérogue, trouver un job. Faut que je passe la débroussailleuse derrière la maison. The Dream un peu, non? C'est comme... C'est un peu comme Power Wash Simulator, mais version débroussailleuse. Ça doit être satisfying de ouf. Après pour Pokérogue. En vrai, c'est marrant un peu, mais c'est long. Ouais, je pense au début c'est rigolo, puis après tu... Après c'est chiant tous quoi. On organise un tournoi de volley ce week-end. The Dream? Trop bien. J'ai l'impression que Cypher a nul à chier sur cette map, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de vide. Et en même temps, je me dis si t'arrives à mettre un petit fil juste devant le vide, ils vont peut-être tomber dedans. Enfin, ça peut être très marrant. Aider des gens qui galèrent sur leur PC. C'est vachement sympa ça. Non, oui, en fait, ça a l'air fort. À voir. Bah moi, je vais voir Dua Lipa en concert demain. Demain soir. Demain soir à Nîmes, ça va être sympa. Et après, je reste un petit peu à Montpellier. Je vais à Montpellier pour cette fin de semaine. Puis après, je retourne chez mes Dars. Je retourne chez les Dars. Chez les Darzong. Et ça va être cool. On va faire des petites vacances et tout en mif. Je vais ramener des petits jeux de société dont je vous ai parlé là. Puis voilà. Et du coup, je reviendrai en stream à 100% à partir de vendredi ou peut-être. Ou peut-être jeudi, ou peut-être samedi. À voir. Ça va se décider un petit peu au dernier moment, donc on verra. Et il y a moyen que je fasse des petits lives un peu spontanés à d'autres endroits, mais du coup, je serai pas ici, quoi. Ce sera pas des gros streams de 8 heures de poker, quoi. Pour que vous soyez au courant, ce sera des streams un petit peu IRL, peut-être, ou voyage, ou... Peut-être si on fait une activité ou quoi, ça peut être marrant, mais... Mais voilà. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool, je suis contente. C'est les petites vacances de début d'été, quoi. Ouais, je ne m'intéresse qu'à moi, c'est faux. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est pour faire la discussion, quoi. Et puis pour rappeler aussi que je suis pas là pendant une semaine. Parce que ça m'inquiète, parce que le streaming, c'est quelque chose de très chronophage et de très instantané. Donc si t'es plus là pendant une semaine, bah c'est... Voilà. C'est un peu pour vous prévenir, quoi, finalement. Alors, je vais mettre ma caméra. Je peux peut-être la mettre genre là, là. Dans le spawn, ou alors c'est à chier. Ah, peut-être sur le milieu, là. Je suis sûr que les gens ils vont venir au milieu, là. The Dream. Ah, c'est un bon emplacement. Normalement, ils viennent de là, s'ils passent au milieu. Bon, ok, y a personne qui vient là. Mais quoi? Mais pitié!
Non mais... J'ai appuyé sur espace, normalement je peux remonter là. C'est pas ça le truc. Potato killer, potato killer, 360. Sur le clutch. Attention à gauche. Oh, mais, waouh, l'item, le... Oh potato, my dream potato. Oh, vite, à la toile, vite, vite. Si ça me retrouve dans le vide, il y a moyen de se faire ban. Oui, je pense. Hein. Je pense, je pense. Mais j'ai pas fait exprès. S'il vous plaît. Oh, je vais prendre les deux là et surtout ça, voilà. Ah, super. Et je vais toujours me mettre au centre, je pense. Je vais me mettre genre là. Ok, préparons le thé. Ça fera la fête. Oui, ma fille. Je me miaule dessus, celle-là. Vous entendez le minou? Eh bébé, c'est quoi ce chat? C'est quoi ce bébé? Hmm? Là vous êtes en pauvre, une noob joue à Valorant, comment ça se passe? Oh! Potato killer! Oh la dinguerie! Ah mais qu'est-ce que tu fais? Prends ton pompe! Prends ton pompe, je t'en conjure. Mais prends ton pompe! Ah, mais il a peut-être plus de balles. Ah, my bad. Il a peut-être plus de balles. S'il tente quelque chose, je le verrai. Tu peux recharger, non, avec ce truc? No one saw anything. Quel troller! C'est le docteur Who. Là, j'ai un chat qui est sur le point de m'attaquer la main si je la bouge vers lui, donc... Peut-être un peu dur de jouer, mais tranquille. Allez, au boulot. Je vois pas mon écran! Mon ultime est prêt. Prenez tout ce qui peut être. Chiche. Mais regardez avec quoi je joue moi. Putain. Regardez la bolos là. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais avec quoi tu... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est mon clavier. Putain. Comment je suis censée faire pour être une joueuse professionnelle, moi? Tu m'expliques? Nine! Ouais, il faut pas que je regarde l'écran en fait pour faire des kills, c'est tout à fait ça. Oh, il est bien, il est bien. Pff, dinguerie. L'arme est dingue. Wow, le bruit qu'il fait, l'arme. Le bruit qu'elle fait, l'arme, c'est trop stylé. Dernier joueur en
Arrête de tourner ton couteau là. Oh, il a le couteau que la personne nous disait tout à l'heure. Le Luciole RGX. Oh, dinguerie. Arrête avec ton couteau, tu me stresses. Oh non, non, quel dommage! Quel dommage! Bon, après, c'est toujours Potato Killer qui est en dernier, mais. Ah, changement de côté, c'est quoi? C'est du coup, on attaque? Ah oui, ok. Celui-là, je le prends, hein. Mais à vos risques, c'est péril. À vos risques et périls. Ah, tu veux le... Bah, faut savoir. Faut savoir, mon petit pote, faut savoir. On peut faire le tour, là, alors. Où est-ce qu'ils sont ? En vrai, le couteau papillon classique, là, tout noir, vous l'achetez ou pas, vous ? Parce que j'en ai eu un dans mon marché nocturne, là. Et je sais pas si j'achète. J'ai récupéré le spike. Oh, ils ont des cales en même temps, c'était tellement beau, on aurait dit une nage synchronisée. Incroyable. Chiquita, Chiquita. Non, bof. Ah ouais. Ouais, je comprends. Point gagnant, les rêves sont si délicats. Point gagnant et on n'a pas de thunes. Ok. Alors, moi je pense que je vais passer par là. Toute seule. Ou peut-être pas, peut-être pas. Peut-être que je vais aller avec ma team et je vais peut-être poser des petits fils. Un peu partout comme une araignée. No way. Tourelle placée. Dernier joueur en vie. Caméra détruite. J'ai raté l'occasion de ma vie. I'm sorry. Pourquoi j'ai tourné la tête? Non. Ah. Genre. Lol. Aise. Aise. Ah, GG. Bah merci, merci. Merci, non mais franchement, ce clutch, en vrai... Ils ont fait... Bah, pff, non. Ils ont juste mal timé la diffuse. Ils sont juste bêtes. Trop bien. Bah GG's, hein. Ouh. Ouh.
pote, il y a un bug là. Allez, one, 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 one. Ils ont pas le temps, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps, les losers. Let's go. Riot, y a un bug. Y a un bug sur la cam. Putain, je suis une dénicheuse de bugs. Mais si je peux me permettre, je crois que c'est parce que j'ai cam à travers la smoke de Omen. Et du coup, ça a peut-être bug à cause de ça. Vous en pensez quoi, le chat? En vrai de vrai. Je vous trouverai. Je suis aveugle? Qu'est-ce qui se passe? Les amis? Ah! Ok. La chasse commence. Il nous a vu. Oh non, ils vont diffuse. Non. Ils sont trop smart. Les bâtards, bâtards. Bien joué. C'est bon si c'est en x2, en x3. Terrible. Bon bah génial. Nice, GG's, accepte ma demande d'avis STP, je fais ce que je veux, j'attaque. Je fais ce que je veux. Bah surtout que je m'arrête là, je pense. Désolé. Je l'ai pas fait pour moi, 1 sur 7. Bah après c'est compliqué, je trouve, de tout de suite être fort sur Valorant en vrai. Le jeu est compliqué. Le jeu est complexe. Messieurs, dames, je vais aller faire mes affaires parce que j'ai toujours pas fait ça. On fait des trucs ce soir, on fait un petit anniv tranquillou pilou, donc je vais aller préparer tout ça. Et puis, pifoulou. Messieurs, dames, super d'avoir installé le jeu. Ouais, après c'est à vos risques et périls, hein, bien sûr, vous êtes pas obligés de venir. Mais merci à ceux qui sont venus jouer, c'était cool. J'espère que vous êtes bien amusés. Les amis, on se retrouve la prochaine fois en live, je ne sais quand, si ce n'est la semaine prochaine, vendredi prochain sans doute. Il y aura peut-être des petits lives comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des petits lives IRL, des trucs assez rapides qui pourront pop, mais encore une fois, ça dépendra. Je laisse faire le destin, en tout cas voilà, petite semaine de vacances. Donc je vous fais des gros bisous, merci à tous pour ces belles sessions Pokérog, super chouette là récemment, c'était trop cool. Et puis voilà, à la semaine prochaine, portez-vous bien, bon courage pour ce que vous faites, et puis à la prochaine, voilà. Je vous tiens au courant sur Instagram et Discord si jamais il y a des lives, donc n'hésitez pas à aller sur ces réseaux-là si vous voulez être au courant, mais surtout Discord en vrai parce que je parle beaucoup là-bas, dans mon chat en tout cas. Et puis voilà. Je vous ferai des stories Insta si je pense. Puis rendez-vous la semaine prochaine. Des bisous, ciao ciao tout le monde. Merci beaucoup pour les lives en ce moment, c'est trop bien, ça passe trop vite et tout. Je suis trop contente.
trouver un second souffle après Overwatch, ça fait trop trop plaisir. Des bisous, messieurs, dames. Ciao. On va partir en raid, bien sûr. Mais voilà. Des bisous. Ciao. Des bisous. M'oubliez pas, hein. Bah. Allez, salut.